Nous vous invitons à la prière. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour infini. De nous avoir accordé cette opportunité dans ta maison. C'est comme ça que nous venons pour te louer, te glorifier et te connaître. Car tu es infiniment bon et tu es grand devant nous. Et maintenant, Père, laisse que tu puisses aussi nous parler en ce moment. Nous ne voulons pas connaître la voix de l'homme. Par ta grâce que tu as voulu que notre Seigneur Jésus puisse aussi mourir pour l'humanité. Maintenant, nous sommes très reconnaissants parce que le Seigneur a été un outil pour nous, pour notre vie spirituelle. Nous te remercions aussi parce que tu veux bien que l'Esprit puisse nous parler. Maintenant, Père, laisse que tu puisses aussi nous donner tout ce que nous avons besoin à travers ton Esprit. Maintenant, nous prions pour tous ceux qui sont en difficulté dans le monde entier, Père. Laisse que tu puisses donner une issue de sortie afin que cela soit possible. S'il te plaît, nous voulons que tu puisses aussi secourir aussi les familles endeuillées. Nous prions aussi pour les âmes de l'au-delà. Laisse qu'ils viennent aussi souper avec nous dans ta maison, auprès de ton hôtel saint. Nous prions pour les responsables sanitaires qui sont en train de faire un travail énorme pour nous. Tu connais les chercheurs, laisse que tu puisses leur donner tous les moyens possibles pour que cela puisse atteindre un objectif considérable. Nous prions pour les autorités qu'ils prennent aussi les décisions convenables pour notre bien-être. Nous prions pour les autorités qu'ils prennent aussi les décisions convenables pour notre bien-être. Laisse que tu puisses commencer et terminer avec nous. Nous t'avons ainsi demandé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de Nombre, chapitre 11, verset 29, deuxième extrait. Elle dit ceci. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et que la malamu soki Yahweh apanzi molimo na ye na ba Israélite nyonso po bango nyonso ba koma ba prophète. Jusque là, vous pouvez vous soir et la chorale peut chanter un cantique. Kino wana tozwa bisika ya kovanda bayembi ba pesa biso nzembo. Le danger qui en me
frères et sœurs dans le Seigneur, chers invités et chers amis. Balingami katina Christo bandeko basipe mibali baninga katina lingomba. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Tozali kotombe la bino boye malamu na ndako ya nkolo. En ce dimanche. Na mokolo oyo yenga. Et nous voulons aussi partager avec vous tolingi peto kabole longona bino une exhortation que nous avons bénéficié de notre apôtre district. Lors d'un service divin, il nous a donné un exemple de l'exhortation. Il a parlé d'une femme qui avait son fils et son fils jouait avec ses amis à l'extérieur de la maison. D'un coup, les amis de ces derniers l'ont grièvement blessé. Et alors l'enfant a crié à voix haute. La maman, connaissant bien la voix de son fils, elle est sortie rapidement de la maison pour les prendre. Pendant que la plaie faisait couler du sang. Bongo akimaki na lomango nyonso pene pene ya mwana na ye tango wana pota ebande ko tangamaki. Elle a transporté l'enfant pour le mettre en son sein. Azwaki mwana atie na nkata na ye et lui dit un mot d'amour et d'espoir. Pe apesa ki eli loba moko ya bolingo pe c'est fini. Tika. Pendant ce moment, l'enfant criait encore. Mais lorsque ce dernier a écouté cette parole, elle a sensiblement baissé sa voix. Bongo, tango ye mwana yokaki liloba wana, mongongo na ye bandi ko kita moke moke. Et la maman a repris encore la parole pour lui dire, c'est fini, ça ira. Bongo, maman baki susu liloba esili. Et alors l'enfant s'est tu. Et il y a eu conversation entre enfant et sa maman. Bongo, mwana atikaki kolela, abandisika kosolola na mama na ye. Et l'enfant a bien expliqué à sa mère comment on lui a blessé. Mwana sika abandi kolimbola na mama na ye, lolenge kani bazokisa ki. Et cette maman a transporté son fils à l'hôpital. Bongo na mwa sima, mama amemaki mwana na ye na l'hôpital. D'où il était traité. Cet exemple est important pour nous parce que nous sommes en train de courir une période d'inquiétude dans le monde. L'enfant là, c'est vous et moi qui sommes blessés par des difficultés, des problèmes et des maladies. La maman là, c'est l'église. Maman wana ndé église qui nous transporte en son sein et nous dit c'est fini. Comment réagissez-vous quand vous apprenez ces mots là sortir de l'église? Votre mère, ma mère qui me dit ne t'en fais pas. Comment réagissez-vous? Sika yo yo kaka ndenge nini tango liloba wana ezali kobima na monoko ya mama na yo nde eglesia. Sommes-nous de ceux-là qui baissent sensiblement la voix ou sommes-nous de ceux-là qui augmentent encore les plaies? Yo posaka na molongo ya baye oyo bakitsaka mongongo moke moke to pe baye o baganga ka makasi. Et alors à la seconde fois quand la maman va dire c'est fini, ça y est, au lieu de dire ça ira. Bongo na maloba ya mibale ya mama tango ekobima okoloba nini esili tope kimia kokota. Et alors nous posons la question avec nos problèmes, nos difficultés, la pandémie qui est en train de ronger le monde entier, sommes-nous capables de comprendre le message de notre mère l'église qui nous dit ça y est, le Seigneur revient bientôt? Yango na tozali komituna mwa mituna na maloba oyo mama azali kopesa biso na oto azali kobika pe kati na mokili lokola maladi. Est-ce que ezali kokota kati na mitema pe za komemali salisi? Cette mère là n'avait pas traité son fils mais elle lui a transporté à l'hôpital.
Mama wana apesa kiye kisi o esengeli te kasi amema kiye na l'hôpital. L'hôpital, c'est notre Seigneur Jésus qui nous dit, amène vos fardeaux auprès de moi. Je vais vous aider à transporter jusqu'à atteindre la dignité requise. L'hôpital, nde ezali wapi, ezali nde epai ya Yesu. Epai wapi ezali kolobate, boya na mikumba na bino nyonso epai na ngai. C'est le Seigneur qui essuiera toutes larmes qui auront sorti de votre bouche, mes yeux et de vos yeux. Alors, maintenant, nous devons nous consoler avec cette parole réconfortante. Nous revenons à la parole du jour. Il s'agit ici d'une réponse que Moïse avait à donner à son ami ou son coéquipier qui était Josué. Ezalaki eyano oyo Mose apesaki na moko ya moninga tope moninga na ya mosala Josué. Qui est venu rapporter à Noé que il y a eu deux hommes qui ont aussi reçu l'esprit de Dieu pendant que il avait des critiques, il avait des intentions là vraiment tout à fait critique auprès de ces hommes-là. Malobawane bimaki nasima yakoyoka sangote ezape na bande komi balé oyo molimo ya nzambe pe kitela ki bango nasima wapi Mose azwaki mutungisi mingi. Et alors qu'est-ce que Moïse avait donné comme réponse? Il va lui dire, non, je voudrais que l'esprit puisse descendre sur tout le peuple, afin que tout le monde devienne prophète. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était descendu au temps opportun à ceux-là qui croyaient à notre Père Céleste. Nakati na boyokani akala molimo ya Nzambe ekitaka na bileko nyonso oyo Nzambe abongisaka na bayo oyo bazalai kotia moteme pa ya Nzambe. Plus particulièrement aux prophètes, mais ce n'était pas à tout le monde. Mingi na ba prophète kasi ezalaki na bato nyonso te. C'est comme ça que Esaïe avait aussi prédit la naissance de Jésus. Yangwana moko na bango lokola Isaïe yepe alakaka pe asakolaka kobotama ya Yesu Christo. Il avait aussi parlé, prédit aussi crucifixion sur la croix. Alobelaka pe kobakama ya Yesu na ekulusu. Et c'était ça, d'autres prophètes en ont aussi parlé. Ezalaka bongo pe zape na basakolo mingi pe balobaka pe neleko na bango. Mais alors les souhaits de Moïse n'a pas eu lieu à l'Ancien Testament. Et cela s'est réalisé à notre temps, au Nouveau Testament. C'est comme ça à travers Jésus-Christ et ses envoyés, les apôtres. Lors du Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux. Et l'enseignement des apôtres était que ceux qui vont accepter leurs paroles auront l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que ceux qui avaient crié ont été scellés de l'Esprit Saint. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8, verset 14. Yango anan Thomas Polo azali kolobela na kata mokanda ya Baroma mokapo ya tukumi zomi na moko na minei molongo akotanga zomi na minei. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ba yenyonso bazali kotambola na molimo ya Nzambe bazali bana ya Nzambe. Comment recevoir alors l'Esprit Saint? Lors de la Pentecôte, quand les apôtres ont prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux, ceux qui avaient cru, ils ont reçu le saint baptême d'eau.
Les pardons de péchés et les dons du Saint-Esprit en leur imposant les mains des apôtres vivants. Ces dons-là sont dispensés exclusivement par les apôtres du Seigneur. Selon la Bible. Et alors, les apôtres, comme ils donnent les dons du Saint-Esprit, l'homme change carrément la relation qu'il avait envers son Dieu. Bongo, tango bantongo bazali ko pesa likabo ya molimo mosante pa ya moto, moto boyokani na ina nzambe ezali ko bongwana. Il n'est plus un étranger, mais il devient fils de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pambate ba nyonso ba kambami na molimo ya nzambe bazali bana ya nzambe. Et cela a des répercussions parce que les dons du Saint-Esprit a ses répercussions. Nous pouvons citer dans Galates 5, chapitre 22, verset 22. Il s'agit là de multiples dons du Saint-Esprit. Pensons en premier lieu par l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a bien expliqué dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu est entré dans nos âmes par le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est comme ça, cet amour-là n'a plus peur. Elle est là pour exprimer volontiers qu'il appartient à Dieu. Nous avons aussi un autre don. Dans Galates 5, verset 22, dans des joies. Nakati na bambuma ya molimo santo wana nakata mokanda ba Galatie ya mo nanzela ya 12:22 mbuma mususu ezali esengo. L'âme qui est régénérée est pleine de joie à côté du Seigneur et attend aussi que le Seigneur revienne. Mosuke oyo ebotami mbotama ya sika ezali na esengo ya kozela bozongi ya Yesu Kristo. Il y a aussi d'autres dons qui sont écrits dans ces versets-là. Il y a l'espérance et la paix. Ezali pe na ba mosusu ekomami na kati na nzela wana ezali pe elikia na kimia. L'espérance fait vivre. C'est comme ça que dans l'inquiétude qui est en train de déranger le monde, les enfants de Dieu régénérés d'eau et d'esprit n'ont plus peur de la pandémie ou des difficultés qui sont en train de nous déranger. Ce qui est en train de nous déranger, c'est que nous avons été en train de nous déranger. Yangwana bana ya nzambe o bazali na elikia bazako banga te na maladi oyo bokone tungisi mokili ezo bangisa bango penza te. Il y a aussi un autre don, l'unité. Ezali pe na mbuma mosusu bomoko. L'unité, s'il vous plaît, nous sommes différents l'un à l'autre et dans l'unité nous sommes coordonnés pour atteindre la maturité requise. Nazali koyebisa bino ya solo te onzela ya mbuma ya bomoko. Et de là, nous nous supportons les uns les autres. Si nous parvenons à cela, l'Esprit de Dieu qui habite en nous pourra dire clairement, comme nous pouvons aussi lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. Mokanda ya koyebisa sekele, mokapo ya mibale, nanzela kotanga zomi na sambo. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et celui qui entend dise, viens, et celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bongo, molimo na mwasi bazali kolobate yaka.
Oyo nyonso pa azali na mposa ya mayi ya bomoi azali koloba yaka. Quand toutes ces manifestations de l'Esprit Saint vont se manifester en nous, c'est alors que nous allons dire cette phrase et le Seigneur viendra pour notre salut éternel. Bongo, tango, bambou mawana ya molimo mosantu, et comme ici bison eteni yako, lobate, nkolo, yaka, neboye, nzela pe ko fungwama, natina tenkolo na biso azonga. Que ceci reste gravé dans nos âmes. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons aussi notre évêque. Notre évêque Chimanga. Et nous aimerions qu'il vienne aussi ajouter quelque chose, que la chorale puisse chanter quelque chose. Tosengi na bayembi bafungula nzela. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, Balingami bana yanzambe tata, je vous souhaite tous un bon dimanche. Nazali kotombe na labino banso e yenga malamu. Plein de succès et plein de bénédictions. Bolamu ebele pe mapamboli ebele. Permettez que je puisse aussi remercier notre Père Céleste. Botika te na pesa pe tata na biso likolo matondi pour l'occasion extraordinaire qu'il nous a offert aujourd'hui. Bona libaku ya lolenge na yango apesi biso lelo. La parole que notre apôtre nous a donné aujourd'hui, vraiment ça nous concerne tous. Et a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Et pourtant l'Église n'est pas celui qui est fondé sur le Saint-Esprit. C'est même la différence entre l'Église n'est pas celui que les autres. Notre apôtre nous a fait voir comment le Saint-Esprit était aussi descendu, rempli quelques serviteurs, peuple de Dieu à l'Ancien Testament. À ce temps-là, le Saint-Esprit ne restait pas avec eux, mais ça venait à des occasions. Et ça venait plus chez quelques peuples de Dieu pour qu'il ait le temps de prophétiser. Mais ça ne venait pas pour tout le monde. C'est pourquoi Moïse demandait, souhaitait même que le Saint-Esprit puisse quand même remplir tout le peuple de Dieu de l'ancien temps. Et mais c'était une chose impossible. L'occasion nous a offerte, nous, à ce temps ici, dans le Nouveau Testament. Toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit par l'imposition de main des apôtres. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient et qui part, mais le Saint-Esprit qui doit rester en vous. Nous devons se réjouir à cause de ça. Notre apôtre nous a montré le fruit que le Saint-Esprit peut nous donner. Il a cité quelques fruits. Il a parlé de l'amour. Il a parlé de la joie. Il a parlé de la paix. Il a parlé de l'espérance. Et il a parlé aussi de l'unité.
Moi, je vais beaucoup plus insister sur l'amour. Cet amour, nous l'avons eu quand nous avons été imposés le même par les apôtres. C'est ce que notre apôtre nous a révélé dans Romains chapitre 5, verset 5. Nous devons avoir l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour aimer notre Père Céleste. Aimer aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer l'œuvre de Dieu. Et aimer aussi notre contemporain. Tout ça, il faut aimer sans intérêt. Puisque l'amour, c'est notre emblème dans notre église non apostolique. Manifestons l'amour partout où nous sommes. Je voulais ajouter aussi quelque chose, puisque j'ai lu une parole aujourd'hui, ce matin. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Là, le Seigneur Jésus n'était pas content. Vous savez pourquoi? C'est puisque le disciple qui était avec Jésus avait trop peur à cause de la tempête. Dans la barque où ils étaient. Ils sont allés vite réveiller le Seigneur Jésus-Christ à cause de cette tempête-là. Voici la parole que le Seigneur Jésus les a adressée. Il ne faut pas avoir peur. Le genre de peu de foi. C'est vrai, ça nous concerne aussi à ces temps précis. Nous sommes en train de traverser une période extrêmement difficile. Il n'y a pas seulement le problème du coronavirus, il y a aussi le problème des famines, des activités, de tout ce qui bloque. Tout ça, ça nous dérange beaucoup. Des fois, nous avons trop peur, les enfants de Dieu ont trop peur à ces temps. Même le serviteur de Dieu. Nous avons trop peur. Mais nous oublions que dans la barque où nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ est présent, il est avec nous. La parole que le Seigneur avait citée ces temps-là nous revient maintenant. Peuple de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes les gens de peu de foi. Soyons assurés que nous sommes accompagnés de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui vont agir, c'est lui qui agira à notre place. Tout ce que Dieu fait est bon. La période que nous traversons, notre Seigneur Jésus-Christ connaît et sait pourquoi il y a cette période. À ces temps, la souffrance, le problème, les difficultés que nous avons à ces temps, le Seigneur connaît. Cette période m'a donné une leçon. Quand il y avait des activités dans l'église, il y avait beaucoup d'enfants dédiés qui étaient un peu distrait. Mais cette période nous a donné une idée pour faire voir aux enfants de Dieu que quand il y a les activités, il faut se donner dans l'église et dans toute autre activité. Maintenant, tout le monde, tous les enfants de Dieu ont besoin que les activités de l'église reprennent. Un enfant de Dieu qui m'appelle pour dire, cher évêque, j'ai mon offrande, je vais faire comment? Quand est-ce qu'on va reprendre les activités de l'église? Alors la chorale, le service du vin, le visite, tout ça, tout le monde a besoin de ça, mais pour le moment, c'est stoppé.
Prenons le temps pour que prochainement tous nous pouvons nous donner dans l'œuvre de Dieu et dans les activités divines. Que notre Père Céleste puisse bénir tous les enfants de Dieu. Qu'il bénisse aussi notre Église néo-apostolique et aussi le monde entier. Amen. Amen. Nous sommes édifiés par les sermons de notre évêque qui nous a demandé d'avoir un amour inconditionnel. Notre exemple, c'est Jésus-Christ, qui est l'envoyé de Dieu et fils de Dieu, ici sur terre. Mais il n'a pas seulement vécu de bons moments. Il a vécu aussi son calvaire. Et alors, lui a gardé un amour inconditionnel auprès de son Père. Jusqu'à ce qu'il l'a dit, tout est accompli. Vous, enfants de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous devons aussi tenir fermement jusqu'à la fin pour que le Seigneur puisse nous dire: vous êtes maintenant vainqueur. Amen. 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 À présent, nous demandons les cantiques de repentance à la chorale. Sika tozali kosenga nzembo ya kobongisa mitema na bayembi nzembo. Nous vous demandons de vous lever pour la prière de notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. À présent, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants. Parce qu'à travers le sacrifice de ton Fils, nous sommes purifiés et sanctifiés.
Et maintenant, Père, nous te demandons une chose. Accorde-nous la force de vaincre le mal pour que le jour du Seigneur nous puissions triompher. Laisse qui font partie de ton peuple qui sont de loin puissent aussi venir à ton hôtel. Afin que tous parviennent pour le jour de notre salut. Ainsi nous t'avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions. Père céleste et d'amour, à la fin de ce service divin, Père, nous tressaillons de joie pour ta parole infinie et bénissante. Et maintenant, Père, nous voyons aussi les affligés, les gens qui souffrent. Tu connais tout le monde là où il est. Laisse que tu puisses aussi assister tout le monde, même ceux-là que nous ne pouvons pas citer dans notre prière. Nous avons aussi apporté nos offrandes dans ta maison. Laisse que tu puisses les bénir et accepte de faire mieux selon ta volonté. Ainsi, nous joignons nos prières à celles de l'apôtre de district, l'unité des apôtres ainsi que les prières de notre apôtre patriarche. Que cela puisse nous couvrir. Ainsi, nous t'avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. Chorale pourra chanter un cantique de clôture. Yeah.
Je ne sais pas comment dire Lingala, mais c'est fantastique. Bravo. Thank you.